faire sauter. Ouais, le Tout ce que vous 2 km avez à que je faire, me tapais. c'est de m'écouter. Oh, on était près de mon temple bouddhiste! Elle, il est à gauche. Je crois que c'est lui. Hein. Il est trop beau. Ah, franchement, ils l'ont bien exposé. Hein. Sur la montagne, là, t'as beaucoup près de vue. Exactement. Je crois qu'il y a personne qui aura envie de l'attaquer, quoi, tellement qu'il est haut, en fait. Bah, c'est ça, en fait. C'est ma forteresse. C'est celui-là dans Dragon Age. J'ai eu une disparition de tout, je sais pas quoi. Et bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wasteland en compagnie d'Ishiku. Bonjour. Et bonsoir. Ensemble, nous allons mettre fin au cartel. À la pop star. Ouais, à la pop star surtout. Tan, 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 tan. Oh, c'est une station d'épuration, hein. Excellent. Pas parce que j'arrive pas à me stabiliser. Ouais. Hop, voilà. Excellent la station d'épuration. Ouais. Alors, on se pose qu'à côté. Moi, ici, ça me paraît assez bien, maintenant... ça me paraît bien, mais... pour tout traverser... Ouais, bah vas-y, ici, là où on est, c'est bon. Je me sens l'âme de Snake de le faire. C'est bien, tu attends maintenant que je sois posé. Ah bah, c'est bon, hein, une fois suffit. D'ici, je vais m'amuser à sniper. Tout ce que j'espère, c'est qu'il faut pas que je me dirige vers ce cabanon qui est là-bas. Bah, j'espère bien parce qu'on est à l'opposé. Bowman n'aurait pas parlé d'un cas terrible devant moi. Après El Chido. Il paraît que plusieurs chanteurs de corrido sont débutés au Mexique cette année. Pas en Bolivie, mais ça reste une possibilité. Donc on va y aller. Précaution au niveau sécurité en Amérique centrale. Moi, tant que les cartels rivaux viennent pas m'emmerder ici. D'accord. Il y a une deuxième cible. Troisième cible. Voilà. Il y a deux gars là. Il en reste encore. Sûrement dans le bâtiment là. Ah ouais, ouais bah j'ai visé l'autre bâtiment moi donc. Bah c'est un peu de tout partout quoi. Ouais. Dans le bâtiment que c'est. Ah ouais, il y a là. Et après, sûrement ici par la gauche. Ah, le camion est là. J'ai le camion promo en visu. Bowman veut qu'on le remplace ouais, par un autre qui explosera à destination. L'objectif... Il est mort comme une merde. Il est tombé sans lui, mais oui, c'est facile. Là-bas, fais gaffe, là où il y a le 1, c'est tout rouge. Pas tout ouais, rouge. Donc là, je laisse en vie. Ok. Je monte. Une balise de matériel, tant qu'à faire. Il y a un gars là, je ne saurais pas la voir, le 2, à ta droite. T'inquiète, je rentre dans... Parce que putain, le problème c'est... C'est un civil. Donc le gars là que j'ai pointé en 2, je peux pas le voir, il y a un piqué devant moi. D'accord. Et tu peux pas le tuer, il y a un gars derrière lui qui arrive, je vais le voir pas passer le par la fenêtre. Le truc c'est que là ils veulent qu'on prenne le camion sans se faire repérer, donc on tue tout le monde ou je prends le camion, je me casse avec? On tue tout le monde. T'es sûr? Encore une cible. Ah, j'espère bien. Moi, je serais plus d'avis à. Moi, je veux tuer tout le monde. Je veux nettoyer la zone de droite où il y a le 2. Où est-ce que t'as pointé le 1, toi? Il est là, donc je le reprends. Cette zone-là, il faut nettoyer cette zone en fait si je veux passer ça, avec le camion. Ça, ces deux-là, on peut se les faire. Et puis les deux gardes là derrière après. Attends, je vais y aller donc. Ouais, deux. Tu vois où ils sont? Ouais, je sais, mais c'est pas. Je peux me faire que le 2 via la fenêtre. Le A, je n'ai pas de visu. Et je ne saurais que toucher sa tête. Si je le rate, on est détecté. Donc, il faut que tu improvises. Et alors, attends. Je dis si je peux le tuer, le 2. Le A, j'ai pas de visu. Le 2, tu peux. Vas-y. GG. Et je voyais que la tête. Il est à 200 mètres. C'était chaud. Vas-y, le A, tu peux le faire, il est tout seul. Il arrive vers moi. Il bouge. Les autres que je pointe, c'est moi. C'est pour... C'est bon. Cible 1 détruite. Attends, j'essaie juste de pointer le deuxième. Voilà. Le 2, je le vois, le 1, je ne le vois pas. D'accord, le 1 est à l'intérieur. Est-ce que tu as visu dessus? Je le vois, ouais. 3, 2, 1, maintenant.
J'en ai eu un. Putain, le temps que la balle arrive. Et j'ai eu chaud parce qu'il y a le grillage juste devant moi. Attends, j'irai. Normalement, tu peux prendre le camion et faire marche arrière et te barrer par la. Ouais, la mais il y a eux là. Ils vont le voir si je prends le camion. Le A, je peux le voir. Le 2, je ne le vois pas. Puis quoi? Alors, je suis du vrai Katono. En fait, il me voit même pas dans ses, dans ses jumelles. Un peu, parce qu'il y a un gars là, il est où? Ah oui, il est là-dedans. Faut faire gaffe là, il y a un gars dans sa petite. Je peux prendre le camion. Je prends le camion, je le barre. Attends-moi, je suis juste là! Je suis juste là! On a un chrono! Mais alors, il s'est pas loin le point! Je verrai rien de la mission! Il se bat, je suis juste à côté! Quel enfoiré! Puis là, il va m'attendre! Alors que j'ai une pointe! L'incohérence la plus totale! Encore un peu, il m'écrase! Oh purée, mais j'hallucine quoi! Tu me dis qu'il y a un chrono! Ah oui, mais 2 minutes 53! Il reste plus que 2 minutes là sur les 53. Ah oui, mais c'est à 500 mètres! J'espère qu'on va pas croiser des ennemis qui vont nous mettre détectés! Ah putain, t'es écrasé là! Je m'en fous, je m'en fous! En fait, j'aime bien les trains ici. Ouais. Ah, je crois que j'ai trouvé le camion suivant. Ouais. Allez, poubelle, tant pis. Oh, le bug du pouce de la poubelle, pas mal ça. J'ai compris du poulet. Allez. Brouillez-vous, il faut qu'on ramène l'autre camion. Ah, il faut. Ah, putain. Oui, c'est vrai, la fête logique. Enfin, un jeu logique, j'ai envie de dire. Kérolio, amigo, t'as un camion à échanger? Ton espagnol est presque aussi laid que ton anglais. Le voilà, ton camion. Tout le C4 est armé et nos préparateurs ont appris chez les communistes. Allez, dépêche! Gaffe dans les virages. Merde. Faut que tu fasses gaffe dans les. Aucune chance. Déjà pour venir ici, il me dit pas que c'est lui encore, donc. Non, mais faudra rouler tout doucement dans les virages. Pourquoi? C'est du C4? Ah oui, c'est rempli. Viens avec moi, t'es sûr? Oui. Allez, okay, minute 3. C'est 4 ou pas, c'est 4, je fonce. Ouais, je pense que ça aucun. C'est là que je touche à peine notre. Boum. Allez, on recommence. Je vais quand même essayer d'éviter les. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Ça devrait aller. Et vu qu'on a remplacé un camion de cellule. T'as de la chance que le jeu est buggé, hein? Même ça, c'est quoi ce boss? 38 secondes. En plus, il faut pas que je le mette à l'endroit non plus. Non, je pense que c'est bon, tu peux le mettre comme ça, ils sont tellement bigleux. En plus, il dérape à mort. Je crois qu'il y a mon plat. Sur toute la bande FM. Ouais. Il y a un hélicoptère juste à côté. Ouais, tant mieux. Quittez la zone sans vous faire repérer. T'es sûr qu'on prend l'hélico? Oui. Mais. On risque pas de se faire repérer. Tu voles bas. Bah, et je me barre à gauche. Ou alors tu veux qu'on prenne la voiture. Ça c'est un peu con par contre, on prend un hélico juste devant leur gueule, ils voient pas quoi. Alléluia. Voilà. Par contre on va retourner dedans parce que moi j'ai toujours pas pris les trucs dedans. D'accord. De toute façon on va faire ça. Et voilà mes petits gens, c'est ici qu'on va se quitter. On vous dit donc à la prochaine pour un nouveau épisode. Et portez-vous bien, bye bye. Bye bye.